こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人オン YouTube。 Le 2 avril 2021, un cold case vieux de 25 ans trouvait un début de réponse avec l'identification de deux corps trouvés quelques semaines plus tôt, enfermés dans une voiture au fond du port de Foski, dans la préfecture de Toyama. Cette affaire qui avait mobilisé la police et les familles en 1996, c'est celle de la disparition mystérieuse de Yasuki Megumi et Takumi Narumi, formellement identifiés par la police scientifique grâce à leur ADN et à divers objets personnels trouvés dans le véhicule. La question qui persiste est celle de la cause de leur mort et surtout de ce qui leur est arrivé le 5 mai 1996, après que Narumi ait envoyé son dernier message à sa famille. Un petit retour sur l'affaire. En 1996, Megumi et Narumi sont toutes deux en dernière année au lycée de Himi, petite ville située dans la grande banlieue de Toyama, à l'ouest du Japon. Megumi, 19 ans à l'époque, travaillait dans un convenience store de la ville pour gagner l'argent nécessaire à ses loisirs et à son avenir, et venait de passer son permis de conduire. Ses parents avaient participé à l'achat de sa voiture d'occasion et depuis, elle sortait régulièrement avec sa meilleure amie Narumi, 19 ans également, et avec leurs petits copains rencontrés lors de leurs activités préférées, visiter des lieux abandonnés et réputés hantés. Le petit ami de Megumi était membre d'un gang de Bosozoku, ces bandes de motards à la triste réputation, souvent justifiées, sans qu'elle n'en sache vraiment pas grand-chose, et par amour, ignorait les mises en garde de ses proches quant au danger potentiel d'une telle relation. Le 5 mai 1996, les deux amis étaient en vacances pour ce que l'on appelle la Golden Week, une semaine de vacances pour tous les Japonais entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai. Elles avaient décidé de se rendre près de la ville de Uozu, de l'autre côté de la baie de Toyama, pour y visiter l'hôtel abandonné de Tsubono, qui alimentait toutes les rumeurs paranormales de la région. Elles en avertirent leurs parents, qui avaient l'habitude de ces escapades, et après avoir récupéré le petit ami de Megumi, partirent à bord de la voiture de cette dernière. Pour avoir déjà visité le lieu, Megumi avait prévu une lampe électrique et des stocks de piles achetés dans le magasin où elle travaillait. Elles traînèrent un moment dans le quartier, le mystérieux garçon ayant besoin de voir quelques amis, et se mirent en route vers 21h, le soir du 5 mai. Mais selon les témoins, au lieu de se rendre directement à l'hôtel abandonné, elles firent un détour de 40 km pour se rendre dans le parc de Kayomaru, un jardin public lui aussi abandonné et devenu le quartier général des Bosozoku de la région. Leur itinéraire a pu être retracé grâce au plein d'essence que Megumi a effectué à l'aide d'une carte de paiement à son nom. L'employé de la station-service affirmera les avoir vus à 22h dans son établissement de Uozu. Selon toute vraisemblance, elle serait arrivée à l'hôtel Tsubono vers 22h30 où, semble-t-il, de nombreux motards s'étaient donné rendez-vous pour une petite fête. En effet, l'endroit était peu fréquenté, sa réputation d'endroit hanté et dangereux et la permanente présence de gangs tenaient la population éloignée de ce vieux bâtiment de 6 étages dont les propriétaires avaient fait faillite au début des années 80. Vendu aux enchères pour 35 millions de yens, environ 270 000 euros, il n'avait jamais été réhabilité et tombait en ruine pour le plus grand plaisir des visiteurs en quête de sensations fortes ou des jeunes à la recherche d'un endroit discret. Mais Megumi enverra un message à ses parents avec son pager vers 23h45 pour leur dire qu'elles étaient bien arrivées à Uozu, puis on n'entendra plus jamais parler des deux jeunes filles. Deux jours plus tard, sans nouvelles, les parents de Megumi et Narumi contacteront la police et signaleront une disparition inquiétante. La région sera fouillée, des avis de recherche distribués, les membres des Bosozoku interrogés et l'hôtel désaffecté passé au peigne fin, mais aucun indice ne sera jamais trouvé par les enquêteurs, pas plus qu'ils ne retrouvèrent la voiture. Comme souvent, lors de disparitions sur la côte ouest du Japon, la rumeur d'un enlèvement par des agents nord-coréens se répandait et fit même l'objet d'une enquête de police. Mais celle qui courait depuis le début, alimentée par des témoignages anonymes, était celle d'une soirée qui avait mal tourné et où les deux amis auraient été violés et assassinés par le gang de motards. Très vite, les magazines d'investigation de tout le pays s'emparèrent de l'affaire et lancèrent leurs journalistes sur le terrain.
Dès octobre 1996, le tabloïd Chikan Josei publia une longue enquête infirmant ces rumeurs et donna un déroulé précis de la soirée et des dernières semaines des deux jeunes filles, prétendant avoir interviewé le mystérieux petit ami. Du côté de la police, rien ne bougea. En mars 1997, les autorités rendirent le nom des deux disparues publiques après qu'elles aient atteint leur majorité, espérant susciter des témoignages spontanés, mais rien. En juin 1997, le magazine d'investigation Gekkan Hokoku publia un reportage dans lequel leur journaliste rendait compte de son enquête dans la petite ville et dans l'hôtel abandonné. Elle y trouva des graffitis explicites qui auraient pu être faits par les jeunes gens ce soir-là, interrogea quelques bosozoku contre de l'argent, mais rien de probant n'en sortit si ce n'était que le mystère s'épaississait. L'affaire partit rejoindre les tiroirs des affaires non résolues et les parents s'accrochèrent à l'idée d'une fugue. Il fallut attendre janvier 2014 pour qu'un événement inattendu et improbable vienne relancer l'enquête. Trois témoins, restés anonymes, se manifestèrent et parlèrent à la police. Le premier, visiblement un ancien bosozoku rangé des affaires, témoigna avoir vu les deux jeunes filles dans leur voiture, le soir de leur disparition, garées sur le port de Fuski. Il déclara qu'elles avaient l'air paniquées, mais en bonne santé, puis, alors qu'il parlait avec elles, aurait soudainement démarré le véhicule et sauté dans le port. À la question du « pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour parler », il aurait dit avoir eu peur des représailles. Les deux autres témoins ne recoupèrent en rien ces informations puisqu'ils parlèrent, eux, d'une agression fatale lors de la fameuse soirée et de l'organisation de la disparition des corps. Mais un point commun ressortit dans ces témoignages, la localisation de la voiture de Megumi dans le port de Fuski. Pour une raison inexpliquée, il fallut attendre mars 2021 pour qu'une équipe sonde le port à l'aide de détecteurs de métaux, puis envoie des plongeurs militaires pour peaufiner les recherches. La voiture sera repérée en quelques jours et remontée à la surface. La police y trouvera deux squelettes et des effets personnels rongés par le sel, mais ils identifieront tout de même le corps des deux malheureuses. Interrogé sur la lenteur policière par le magazine Chikan Josei, le commissaire en charge de l'enquête déclara que les témoins ont été interrogés à plusieurs reprises et ont indiqué que la voiture était tombée à l'eau toute seule, comme par accident, qu'il n'y avait donc aucune raison de traiter cela comme un acte criminel. Interrogé par ce même magazine, le père de Megumi indiquera savoir qui sont les témoins malgré le fait que la police refuse de communiquer leur identité pour les protéger et ne leur faire aucune confiance. Les parents des deux victimes ont indiqué vouloir que l'enquête se poursuive, ne croyant pas un instant à la thèse de l'accident. Le nouveau commissaire de la brigade de Toyama en charge de l'enquête a déclaré le 2 avril 2021, suite à l'identification des corps, « Cela ne nous apprend qu'une chose, c'est que ce n'est plus une disparition inquiétante mais un double décès que nous pensons accidentel. Si quelqu'un venait à apporter des preuves d'autre chose, nous pourrions rouvrir l'enquête mais pour l'instant, elle est classée. » Les incohérences sont si nombreuses dans cette affaire que les critiques envers la police locale ne cessent de fuser depuis 25 ans et les derniers rebondissements ne peuvent que leur donner raison. Le classement des témoignages des bosozoku, la protection des témoins clés dans la découverte de la voiture, l'arrêt des investigations dans la voiture de Megumi et tant d'autres choses. Bien sûr, l'état des corps ne permet pas d'autopsie et le sel a détruit les ADN de contact depuis longtemps, mais pour l'heure, une analyse des squelettes par des légistes criminels spécialistes des os n'est pas envisagée. La rumeur reprend ses droits et parle d'une collusion entre les autorités locales et les gangs qui protègent les bosozoku, mais il va sans dire que tout cela serait très très étonnant. Interviewée par le magazine, la maman de Megumi, aujourd'hui âgée de 60 ans, a juste dit « C'était il y a longtemps, au fond de moi j'avais espoir qu'elle allait bien et vivait ailleurs, heureuse, qu'elle ne voulait juste plus nous voir pour une raison ou pour une autre. » Alors je vais faire mon deuil, ce qui me fait le plus mal c'est de savoir qu'elle a passé toutes ces années dans un endroit aussi froid et sombre. Affaire à suivre, j'espère. Le 20 janvier dernier, la police de Gunma arrêtait un homme de 29 ans, Hirata Yukihiro, sans profession, pour possession et diffusion d'images pédopornographiques dans le cadre d'une vaste opération de traque sur Internet.
Placé en garde à vue, il sera interrogé sur les nombreuses clés USB retrouvées chez lui et contenant des heures de vidéos de très jeunes filles se baignant et se changeant dans divers onsen. Il finira par avouer que ces films avaient été tournés par sa petite amie Hamasaki Ishizuka, 28 ans, professeur dans un collège de Kumamoto. Elle sera appréhendée par la police le 6 avril et confrontée aux allégations de son compagnon, elle ne tardera pas à avouer son crime ignoble. La précision de ses aveux fait remonter son premier acte répréhensible au 13 août 2016, lors d'une sortie scolaire avec ses classes de 4e et 3e. Pendant cette excursion, toutes étaient allées se détendre dans un onsen, une source thermale chaude, et l'enseignante avait filmé les filles dans leur vestiaire, puis dans les sources, avant de remettre le film à son conjoint qui les avait revendues à des contacts via des sites de pédocriminels. D'après ses dires, elle aurait été poussée par Hirata qui lui faisait miroiter de beaux bénéfices en l'assurant d'une totale impunité. Elle avouait avoir réitéré ce genre de choses jusqu'à l'automne 2020 sans penser que c'était aussi grave. Présentée au procureur le mercredi 7 avril, elle a été placée en détention provisoire et sera jugée pour 6 chefs d'inculpation comme son conjoint, actuellement derrière les barreaux. Il risque la même peine de 15 ans de prison. Affaire à suivre. La semaine du 5 avril 2021 aura été une semaine noire pour les casinos clandestins des Yamaguchi Gomi, le premier gang yakuza du pays. En effet, la brigade de répression des gangs guettait depuis des semaines des parties clandestines retransmises sur internet et sur lesquelles les abonnés pouvaient parier. Après avoir logé les lieux de retransmission puis planqué devant pour tenter d'identifier les éléments connus des services ou des allers-retours suspects, la police finit par faire une descente dans un premier casino clandestin, le Leaf, situé dans le quartier Naka de Nagoya. Le patron des lieux, Arita Daisuke, 46 ans, bien connu de la brigade pour son appartenance au clan Yamaguchi Gomi, a été arrêté, ainsi que trois de ses employés, des Kyodai, des grands frères, fichés, et deux clients, des voyous condamnés et interdits de séjour. Le lendemain, à Yokohama, la brigade locale de répression du banditisme organisé défonçait la double porte d'un casino souterrain camouflé derrière une vitrine de faux restaurant. On y arrêtera Kaishinya, 47 ans, Kyodai dans le même clan et recherché par la police pour non-présentation devant le juge et deux employés, eux aussi fichés. La police y saisira 5 tables de baccarat, 60 millions de yens en liquide, environ 500 000 euros et 17 caméras qui servaient à diffuser les parties clandestines sur internet. Les deux suspects avoueront avoir commencé leur activité en décembre 2019 et avoir dépassé le milliard de yens de recettes. Par contre, comme le veut leur code, ils nient toute appartenance au clan Yamaguchi Gomi malgré les nombreux indices trouvés sur place par les enquêteurs. Relâchés mais placés sous contrôle judiciaire, ils devraient comparaître pour infraction à la législation sur les jeux d'argent, mais aussi aux mesures sanitaires, personne ne portait de masque et tous étaient collés les uns aux autres, association de malfaiteurs mis en danger de la vie d'autrui et appartenance à un groupe mafieux. Ils seront jugés un jour. Peut-être. Affaire à suivre, enfin si le juge ne perd pas le dossier. Le 31 mars 2021, un inspecteur de la brigade anti-gang de Kanagawa se vit dans l'obligation de suivre ses collègues de l'inspection générale des services pour répondre à quelques questions. Ce policier de tout juste 40 ans avait rejoint la brigade en 2015 et travaillait sur la lutte contre le clan Yakuza Inagawakai en particulier. Flic zélé et plein d'enthousiasme, il agissait aussi bien dans son bureau que sur le terrain et recrutait de nombreux indics au sein de l'organisation criminelle. Mais malgré tous ses efforts depuis 6 ans, les gros bonnets du clan semblaient toujours s'en sortir en disparaissant la veille des descentes et les bars clandestins ou les plantations de cannabis se volatilisaient juste avant que l'anti-gang ne débarque. C'est cette suspicion d'entrisme du gang dans la police de Kanagawa et quelques révélations de Yakuza arrêtés récemment qui ont mis le focus sur cet inspecteur. Après surveillance de son ordinateur et de son téléphone, filatures et fouilles de son appartement en son absence, les enquêteurs internes ont pu déterminer avec certitude que le flic était un ripou et travaillait bien pour les Inagawakai.
En contact direct avec un Wakagashira du clan, il fournissait depuis toutes ces années une foule d'informations sur les enquêtes en cours, les descentes et les flics infiltrés, moyennant 100 000 yens, environ 850 euros par info. De plus, il jouissait d'avantages en nature, d'habitude réservés aux membres influents du gang, comme des hôtels de luxe, des voyages et des escort girls. Pour se défendre, le policier affirme que tout cela n'est qu'une stratégie d'infiltration et qu'il comptait reverser tout l'argent qu'il a touché à la police, une fois le Oyabun du clan arrêté. Mis à pied mais libre pendant la durée de l'enquête, il est activement surveillé par ses collègues, tant par peur qu'il ne s'enfuit que par celle qu'il se fasse descendre par un lieutenant des Inagawa Kai. Affaire à suivre. Le 29 mars dernier, la police métropolitaine de Tokyo a arrêté Nakashima Kensuke, 28 ans, à son domicile du quartier d'Ikebukuro pour un cambriolage plutôt inhabituel. En effet, une caméra de surveillance d'un magasin de cartes à collectionner du quartier le montrait clairement, sans masque, en train de déambuler dans la boutique à 5h du matin, les mains dans les vitrines et dans la caisse. Ce 2 mars, le jeune champion de cartes Pokémon avait emprunté l'escalier de service d'un immeuble, puis grimpé sur le toit d'où il avait arrimé une corde, puis avait descendu la façade en rappel jusqu'aux fenêtres de la boutique de cartes, située au 6e étage. Après avoir cassé une vitre, il s'y était introduit et y avait volé pour 1 million de yens de cartes Pokémon, environ 8500 euros, et 260 000 yens en cash, environ 2000 euros. Il avait pris le temps de trier les cartes de valeur sans se rendre compte qu'il était filmé. Ce joueur, connu dans le circuit national et souvent mis en vedette dans des vidéos de jeux, a expliqué avoir contracté des dettes de jeu mais aussi avoir besoin de cartes très rares et très chères pour pouvoir gagner son prochain tournoi. Ancien membre du club d'escalade de son lycée, il a affirmé ne pas avoir eu le vertige une seconde pendant son forfait, précision intéressante. Il a été mis en examen et risque jusqu'à 5 ans de prison. Affaire à suivre. On ne le dit pas assez, mais le Japon vit sous la coupe de dangereux criminels qui sèment la terreur et le chaos sur tout le territoire, de Hokkaido à Okinawa. Vous pensiez naïvement que l'archipel était l'endroit le plus sûr du monde, eh bien, détrompez-vous. Heureusement, une unité spéciale et surentraînée veille au grain et à la sécurité des bons citoyens, déployant les derniers gadgets technologiques pour traquer ces criminels sans foi ni loi. C'est après une enquête de plusieurs mois mobilisant des dizaines d'hommes et de femmes entièrement dédiés à la justice, des combattants du crime flamboyant, que le plus grand coup de filet de ce début de siècle a pu être fait. Se riant de la mort et du danger, ces soldats de l'ordre ont fondu, tels des aigles de la loi, sur les pires canailles que le pays puisse compter. Ces descentes sans précédent ont eu lieu les 6 et 7 avril 2021 sur tout le territoire, dans des actions commando coordonnées et réglées à la seconde près. 6 avril 2021, Hokkaido, 18h. Les hommes d'élite de la police préfectorale sont en planque et attendent le suspect. Grâce à des technologies de pointe disposées sur les lieux où le suspect commettait ses atrocités, ils ont pu le traquer et surveiller ses moindres faits et gestes. Ils le savent, il va frapper là et maintenant. 18h02, l'homme est en approche, il porte le même pardessus que lors de son précédent forfait, se dissimulant le visage, probablement grimaçant de plaisir du mal qu'il va à nouveau répandre, au mépris de toutes les lois humaines. La brigade de choc est en alerte. En effet, ils ont pu visionner les images insoutenables de ce monstre en pleine action, et certains en tremblent encore. 18h04, le suspect est devant la porte. Il allume une cigarette et pousse la porte des lieux une fois de plus, au mépris des lois anti-tabac. Puis, comme une hyène vicieuse, se glisse dans l'obscurité de cette pièce, aussi noire que son âme. 18h05, le chef de brigade donne l'assaut. Les hommes, le cœur serré et le front perlé, pénètrent dans l'antre de la bête, arme à la main. L'officier hurle la première sommation. L'homme se retourne lentement et lève les mains, se rendant probablement compte que son parcours ignoble s'arrête ici et maintenant. Il n'y a plus de doute, les forces d'élite tiennent leur homme. Sashigakubo Hitoshi, 70 ans, l'ennemi public numéro 1, est hors d'état de nuire. L'épreuve l'accable et le flag est là. Il tient toujours dans sa main la culotte de Madame Iguchi, 67 ans, toujours en cellule de soutien psychologique depuis le vol immonde et violent d'un panty Uniqlo et d'un soutien-gorge à armature 2 jours plus tôt.
18h06, la bête est menottée et la population hors de danger. Le capitaine courageux peut rassurer Madame Iguchi et le monde, leurs sous-vêtements sont en sécurité. En parallèle à cette action d'éclat et de bravoure, deux autres opérations victorieuses ont permis d'arrêter deux autres monstres et de les soustraire aux bonnes gens et à leur tranquillité. Ainsi, le jour même à Haïti, soit à plus de 1500 km, l'anti-gang arrêtait Katsu Hiroaki, 30 ans, un dangereux psychopathe qui faisait régner la terreur depuis des mois en volant les chaussures des femmes, les remplaçant par une paire neuve pour pouvoir se livrer à d'abjectes activités sur d'innocents escarpins qui n'avaient commis comme seul crime que celui d'avoir été porté par des femmes aux cheveux courts. L'ignoble individu, en plus de discriminer les longues crinières, repérait ses victimes innocentes dans les restaurants et les entreprises, prenait des photos des victimes, enfin de leur godasse, et vicieusement allait acheter une paire similaire mais neuve afin de procéder à l'affreux échange. Fort heureusement, force reste à la loi et le sieur Katsu dort sous les verrous. Ce soir, le monde libre est un peu plus sûr. Mais le glaive impitoyable de la loi ne s'arrêta pas là. Nous sommes à Saga cette fois, soit à plus de 800 km d'Haïti. La crème de la police municipale est prête à fondre sur le plus terrible criminel que l'île de Kyushu ait pu connaître depuis des heures. Toutes les informations se recoupent et le suspect a été repéré dans le quartier de Hogi. Ils savent qu'il peut frapper à n'importe quel moment, les témoignages horribles en disent long. 10h du matin, le suspect marche dans une rue tranquille, la police tremble qu'il ne les ait repérés. Puis soudain, il s'arrête, regarde alentour et fait un pas de côté. Ça y est, il va passer à l'action. En un éclair, il fait un petit bond et attrape sa victime par la bretelle, la faisant tomber à ses pieds. Encore plus rapide que l'éclair, le gardien de la paix fait un saut impressionnant en direction du suspect et le maîtrise. Kubo Takahiro, l'électricien de 30 ans, bourreau satanique de la lingerie locale, est plaqué au sol, sa victime à ses pieds. Le maillot de bain bleu est sain et sauf, même si un peu secoué. Mais les enquêteurs n'étaient sans doute pas prêts pour ce qui les attendait au domicile du monstre. C'est avec ce sentiment affreux d'être arrivé trop tard qu'ils découvrirent plus de 400 culottes et maillots de bain étendus sur des fils ou gisant sur le sol d'un monstre heureusement sous les verrous. Dormez tranquille, braves gens, les forces de la liberté veillent sur votre sommeil et sur vos slips. Would you like to know more? Le coup de pouce du jour n'est pas une chaîne YouTube, une fois n'est pas coutume, mais un groupe. Out of My Eyes n'est pas un groupe japonais, c'est un band français, parisien même, et il se trouve que l'un des membres de cette noble assemblée est l'un de mes fidèles abonnés. Lorsqu'il m'a envoyé un lien pour regarder son nouveau clip en mode « Tiens, on a fait un petit truc si tu veux jeter un coup d'œil », j'ai perdu les élastiques de mes bas. Une vraie claque artistique comme je les aime, puissante, élégante et avec une grosse identité sonore et visuelle. Le gros consommateur de métal lourd que je suis a adoré leur metalcore intelligent et teinté d'alternatives très « end of the 90s », période la moins insultante pour ce genre cher à ma mémoire. Leur dernier titre, « Blue Cloud », est un petit bijou nostalgique pour les vieux chevelus dans mon genre, mais tellement frais pour tous ceux qui voudraient découvrir ce style complexe, exigeant, mais viscéral. Les tons sont compliqués pour les musiciens, alors je vous en conjure, allez les découvrir sur leurs réseaux sociaux, achetez leur musique, faites vivre ceux qui sont bâillonnés depuis trop longtemps. Out of My Eyes est une future pointure de la scène rock metal internationale, croyez-moi. Pour des raisons de droit, oui, les règles de YouTube sont très bizarres puisque même ma propre musique fut signalée sur ma propre vidéo car déposée, je ne peux pas vous diffuser le clip dans son intégralité, mais je vous mets tous les liens pour aller découvrir leur travail et les soutenir comme ils le méritent. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également et d'activer la petite cloche pour être averti des sorties. Si vous voulez bénéficier de contenus exclusifs et de cadeaux, rejoignez l'unité Satsujin, l'espace membre très spécial. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee ou sur Utip pour m'aider à maintenir le cap et à vous proposer chaque semaine de nouveaux contenus, mais aussi en faisant un tour sur ma boutique Spreadshirt sur laquelle vous trouverez forcément un modèle qui vous plaira. Je vous rappelle que mon dernier livre est toujours en vente sur le site de mon éditeur, Camion Noir, sur toutes les plateformes de vente, mais aussi directement si vous souhaitez une version dédicacée.
il vous suffit de m'envoyer un message privé. Pour cela, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux et sur Twitch, où des lives thématiques arrivent dès la fin du mois. Allez, je vous laisse. Matane! Tourne, tourne, tourne.